J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et ceci est un... Et la chose qu'on ne dit pas assez. Je fais ce live ce matin car je me rends compte que ce genre de questions, ce genre de discussion, prendre le temps pour soi et se dire est-ce que je vais vraiment bien? Plus personne le fait correctement. Plus personne ne prend le temps pour dire est-ce que je vais bien? Au cours de très 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 nombreuses discussions avec des personnes avec tellement de passés différents, de préoccupations différentes, j'ai vu la même chose à chaque fois. La personne ne prenait pas soin d'elle. La personne n'arrivait pas à prendre soin d'elle. Le Téléthon, c'est l'occasion pour tout le monde de s'occuper des maladies rares, des maladies qui sont visibles et des maladies qui ne le sont pas. Même si on dit maladie rare, je pense que c'est nécessaire de prendre un temps où on parle de sa santé mentale. C'est quelque chose qui... Je pensais pas faire un live comme ça. Je pensais pas avoir besoin de faire un live sans discuter avec des gens. Mais j'ai l'impression d'avoir atteint un point où ce que j'écoute, ce que je vois, ce que j'entends aussi, peu importe qui me le dit, peu importe sa vision du monde, tout ça, j'ai l'impression de voir toujours le même message aussi derrière. La santé mentale, c'est quelque chose d'important. Que vous soyez têtu, que vous soyez discret, que vous ayez beaucoup trop de problèmes pour les gérer, que vous vous disiez c'est pas à moi de les gérer, que même vous soyez en train de les gérer. La santé mentale, c'est quelque chose d'important. Peu importe la personne que vous êtes. Je dis ça, et pourtant, je sais que ce sont des sujets qui très souvent sont esquivés. Des sujets qui sont soit mis de côté, soit qui sont c'est en sorte que c'est pas important, je peux me concentrer sur d'autres, ma santé mentale, ça va. Avec certaines discussions, je pensais que ma santé mentale était désastreuse. Je pensais que en m'occupant trop de personnes, je parle de moi, ma santé mentale allait être atteinte. Simplement, je me rends compte que la façon de le dire, la façon de voir les choses, ça aide aussi aux personnes de se dire « Ok, je peux traiter tel problème, et là, je ne peux pas traiter tel problème. » Ce live sera totalement décousu. Ce live, ce sera juste une discussion, que ce soit sur la santé mentale et peut-être un peu plus tard sur la communication. Ce sont deux points que je considère vitaux dans la vie de tous les jours. Ce sont des points qui,
Vous avez pas l'impression que ça a l'air important, et pourtant c'est tout le contraire. C'est quelque chose qui paraît stupide à dire, mais c'est les points qui vous permettent d'avancer au mieux, qui vous permettent d'avancer déjà de façon solitaire, de pouvoir progresser. Et de l'autre côté, ça permet aussi de faire en sorte que les gens autour de vous puissent avancer avec vous. La santé mentale. On va commencer de très loin. La santé mentale, qu'est-ce que c'est? C'est pas une blague, déjà. Si votre santé mentale est désastreuse, si vous vous sentez mal, parlez-en à quelqu'un. La santé mentale, c'est ce qui vous permet de tenir tous les jours. La santé mentale, c'est ce qui vous permet de vous dire, ok, je peux continuer, ou c'est pas possible, il faut que je m'arrête là. La santé mentale, c'est quelque chose qu'il faut jamais rigoler avec. C'est vraiment, vraiment sérieux. C'est un sujet qui est beaucoup trop difficile pour essayer de tout simplement en parler, enfin, se dire, je peux laisser ça de côté. Et je vais évoquer aussi un autre point important. Pour pouvoir aider quelqu'un comme il le faut, il faut deux choses. La santé mentale qui soit prête à encaisser tous les coups et être sûre qu'elle soit pas déjà désastreuse, qu'on ait à la force d'aider la personne, mais aussi de mettre un stop. Quand on sait que c'est beaucoup trop pour soi, qu'il faut que ça parte vers quelqu'un de plus compétent. J'ai pas fait beaucoup de formations sur la santé mentale. J'en ai pas fait mon métier, j'en ai pas fait mes études. J'ai fait une ou deux formations sur la santé mentale sur le suicide, comment gérer les risques de suicide. Mais c'est quelque chose où je vais parler par expérience. Une expérience que je vois depuis, je dirais, 7 ans, 8 ans, voire même plus. Une expérience depuis le lycée, voire même depuis un petit peu avant. Une expérience qui est remplie d'erreurs. Une expérience qui est aussi remplie de regrets. Regrets après coup et regrets à plus long terme. En me disant plus tard, en fait, cette situation, sur le coup, je me disais, c'était bon. En y réfléchissant, c'était vraiment pas la bonne idée. La santé mentale est quelque chose dont vous devez prendre soin. Même si c'est compliqué pour vous. Même si c'est pas quelque chose que vous faites au quotidien. Vous ne parlez pas souvent de votre santé mentale et ça, je suis d'accord pour le comprendre. C'est quelque chose qui est moins évoqué, qui est très très peu évoqué. C'est quelque chose dont on va préférer cacher l'état parce qu'on se dit soit c'est honteux, soit j'ai pas besoin d'aide. C'est quelque chose qui, même si c'est un point vital dans notre quotidien, c'est quelque chose dont on n'a pas les clés pour en apprendre à prendre soin.
Vous voyez, au quotidien, on a affaire à plein de situations différentes. Des situations qui nous mettent en joie, des situations qui nous peinent, des situations qui nous mettent en colère, des situations où on devrait être en réflexion. Mais actuellement, on n'a plus pris l'habitude, je ne sais même pas si on a déjà pris l'habitude de prendre le temps de se dire, ok, il s'est passé tout ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense moi? Vous savez, c'est le fameux moment de pause. Ce moment où, par exemple, ce serait un week-end, où normalement on devrait prendre le temps pour soi, le temps pour se reposer. Ce temps qui est passé à faire autre chose parce que, tout simplement, soit on est trop fatigué de notre semaine, soit on est déjà en retard pour la semaine qu'on avait vécue ou celle à venir. Le temps pour soi, c'est quelque chose qui est primordial, quelque chose qui même si c'est particulier, même si c'est dur à travailler, le temps pour soi, c'est un moment qui est vital. Un moment qui est fait pour se recharger. Un moment qui est fait pour essayer de digérer toutes les infos qu'on a vécues, toutes les expériences qu'on a vécues. En essayant d'apporter de l'aide au quotidien, déjà je me suis rendu compte de plusieurs choses. C'est vrai, on applique très souvent, on n'applique pas les conseils qu'on donne. Les conseils qu'on donne, très souvent, on les fait pas. C'est quelque chose qui paraît cohérent. C'est plus facile de donner une leçon à quelqu'un que d'essayer d'appliquer les leçons à soi-même. On se dit, c'est pas nécessaire. C'est pas quelque chose qui nous concerne. Cette personne en a besoin, mais pas moi. Et puis, il y a une autre chose dont je me suis rendu compte de manière personnelle. Les conseils sont durs à appliquer, que ce soit pour la personne qui les reçoit ou pour la personne qui les donne. Il faut beaucoup de force pour se dire, ok, j'allais mal, pourquoi? Pour ça. Et j'allais mal, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça maintenant pour me dire que ça ira mieux plus tard. Le premier pas, il est difficile. Pour beaucoup, il est même impossible. Ce premier pas, c'est le pas pour reconnaître qu'on n'a pas toujours raison. Le pas pour reconnaître qu'on a parfois tort dans notre situation, qu'on fait peut-être n'importe quoi. Mais si, c'est aussi le pas de se dire, ok, j'ai fait ça de bien, comment je peux m'améliorer? La santé mentale, ça sert à progresser en avant, progresser d'un pas qui peut impacter les autres. C'est étrange, non? Se dire qu'en progressant soi, les gens autour de nous peuvent progresser aussi. Mais c'est vrai, on a un impact sur notre environnement, on a un impact sur notre entourage. Il y en a qui vont s'énerver parce que cet impact va leur faire comprendre qu'ils ont merdé eux aussi. Et il y en a qui sont pas prêts. C'est dur, oui. C'est très dur d'accepter qu'on a fait des erreurs, qu'on n'est pas dans le juste. C'est très dur de se dire, de se remettre en question. Mais une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, il y a une évolution. Il y a un pas en avant qui est pris. Un pas géant qui est pris.
Pour beaucoup, ce premier pas, il peut sembler dérisoire. Se dire, oh tiens, je vais aller faire telle chose que je faisais mal avant. Telle chose dont où j'avais très peur de le faire. C'est très bien de faire ce premier pas. Si vous avez réussi à le faire, félicitations. Maintenant, il faut se dire une chose. Aider les autres, c'est très bien. S'aider soi, c'est peut-être aussi bien, voire mieux. Car aider les autres, ça permet de savoir comment on peut... Enfin, s'aider soi-même, ça peut permettre de savoir comment on peut aider les autres. Ça peut faire en sorte d'apporter de meilleures réponses. Ça peut faire en sorte que comment on va agir face aux autres, comment on va leur apporter nos réponses, comment on veut faire en sorte que la réponse soit comprise. C'est quelque chose qu'il faut qu'on expérimente d'abord. La santé mentale, c'est se tromper, se faire des choix, se dire ça a marché, ça n'a pas marché. C'est autant une mise en avant de faire quelque chose qui est réussi que quelque chose qui est grave, que quelque chose qui est raté. Car apprendre de ses erreurs, c'est un petit peu ce qu'on apprend au lycée, ce qu'on apprend au collège, ce qu'on apprend à l'école. C'est ce qu'on apprend de l'histoire, qu'elle soit histoire de France, histoire du monde ou histoire personnelle. Chaque histoire est quelque chose qui est un regard sur le passé, un regard sur des expériences qui ont été faites. Un message pour nous dire, ça c'était pas mal, continue comme ça, ou arrête-toi là, tu vas te faire du mal. Je sais que c'est trop tentant de se dire, l'histoire c'est chiant. Mais l'apprendre, c'est pas forcément ce qui importe. C'est comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi ça a échoué. C'est ce qui va permettre de se dire, ok, je peux copier ça ou ok, il faut que j'évite ça. J'ai mis en comparaison l'histoire du monde et votre histoire personnelle. Vous penserez peut-être que je suis fou, mais c'est juste une histoire qui a un impact différent. Vous allez me dire, mais ça n'a pas du tout la même échelle. C'est une histoire qui a impacté des gens. Vous avez impacté des gens. L'histoire du monde, c'est une histoire de gens qui ont impacté d'autres gens. Bonjour Ruby. Votre histoire personnelle, c'est quelque chose que vous avez vécu, quelque chose qui peut vous servir de leçon. Il y a des choses, comme je le disais, on a du regret. Des choses où on s'est dit, j'aurais pas dû faire ça. D'accord. Alors, maintenant que vous êtes rempli de regrets, comment vous voulez avancer? Vous n'avez pas fait que des erreurs. Vous avez réussi des choses dans votre vie aussi. Ne les mettez pas, ne les minimisez pas. Votre vie est remplie d'échecs et de réussites. Ce sera toujours comme ça. Vous ne pouvez pas avoir une vie parfaite. Vous ne pouvez pas avoir une vie remplie que de galères.
Vous avez au moins un bon souvenir que vous avez de votre histoire. Un bon souvenir passé avec quelqu'un. Un bon souvenir fait sur une activité où vous vous étiez dit au départ, je vais pas réussir. Et au final, quand vous l'avez faite, vous étiez là en mode, j'ai réussi. Et vous étiez content. Votre histoire personnelle, elle est personnelle. Elle vous permet évidemment de prendre des situations que vous avez vécues vous-même. Mais votre histoire personnelle, elle est personnelle. Elle n'est pas partagée avec les autres. Chaque histoire est différente. Chaque passif a amené cette personne là où elle est aujourd'hui. Mon passif est compliqué. Mon passif est rempli d'échecs, de choses que j'aurais pas aimé vivre, de choses dont je suis content, des moments où j'ai été très heureux, des moments où j'ai été très triste. Mais je sais que c'est après avoir vécu tout ça que je me dis que j'en suis là aujourd'hui. Que j'essaye de me dire, il y a toujours moyen d'avancer. Il y a toujours moyen de faire un pas en avant. Je sais, c'est vraiment dur. Je sais, au quotidien, on se dit pas, il faut que je fasse ça pour moi. Il faut que je fasse. On se dit plutôt, il faut que je fasse ça parce que c'est une nécessité, parce qu'on m'y oblige. Même si on vous y oblige, des fois c'est pour votre bien, des fois non. Essayez de prendre du recul et de vous dire pourquoi on m'y oblige. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'apprendre de ça pour pouvoir progresser personnellement? L'école, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui est très chiante. Pourtant, on y apprend le français, on y apprend les maths, on y apprend l'histoire, on y apprend l'anglais, on y apprend la réaction du monde, on y apprend comment parlent les différentes personnes, on y apprend pourquoi telle chose s'est produite. On apprend aussi à essayer de parler mieux, à essayer de faire en sorte que les autres nous comprennent mieux. Ce sont des sujets où on se dit ça va pas nous impacter, ou très peu, ou c'est rébarbatif la façon dont c'est apprise. Dans ce cas, changez la façon dont vous l'apprenez. Les maths, ça peut être compliqué, mais c'est quelque chose de nécessaire. Et oui, savoir compter dans la vie, c'est savoir se dire, ok, il y a tant de nombre de personnes, je peux parler avec tant de nombre de personnes, j'ai tant de choses à faire, est-ce qu'il faudrait que je fasse une pause ou pas? Le français, c'est important. Savoir comment s'exprimer, même si c'est dur pour beaucoup, même si c'est une recherche qui est très longue. La façon dont on s'exprime va permettre de mieux amener notre pensée. Et pourtant, c'est une chose qui sera véridique aujourd'hui, une chose qui est véridique dans le passé et une chose qui sera probablement toujours véridique. Deux personnes ne pourront pas se comprendre à 100%. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas le même passif. Vous n'avez pas les mêmes bases. Essayer de se comprendre, c'est bien. Mais c'est dur. C'est très dur. C'est pour ça que. C'est pour ça que c'est. Plus on parle, plus on a l'impression de donner des informations. Pourtant, c'est faux.
ça peut aussi noyer l'information qu'on essaye de transmettre. Ne pas parler à l'inverse, ce n'est pas transmettre l'information. Le juste équilibre dans la parole, le juste équilibre dans l'information, le message à donner. Essayez de voir aussi un petit peu ce que la personne en a compris. J'ai vu des gens essayer de dire quelque chose et la façon dont ils l'avaient écrit, c'était quelque chose d'autre qui était écrit, qui était indiqué. Quelque chose, un autre message qui était montré au reste des gens. La santé mentale et la communication. Deux points importants qui pourtant se basent sur ce qu'on apprend dès l'école, ce qu'on apprend aussi de notre vie. Pour beaucoup, c'est vrai, c'est dur de parler avec d'autres personnes. C'est tout simplement vrai parce que soit on a eu un passif compliqué, on s'est déjà fait maltraiter, on a déjà eu du harcèlement. Et si vous avez réussi à survivre à ce harcèlement, déjà bien joué. C'est dur pour beaucoup. Certains ne savent pas quoi en faire de la situation, se renferment sur eux-mêmes. Si vous parlez encore avec des personnes, c'est déjà un énorme pas. Il y a au contraire, entre ceux qui ne parlent pas pour diverses raisons, il y a ceux qui parlent beaucoup. Parce que on leur a appris à dire beaucoup de choses. On leur a pas appris que le silence était d'or aussi. Que les temps de pause pour comprendre le message étaient importants. Dans la vie n'est ni tout blanc, ni tout noir. C'est même pas un équilibre. C'est des nuances de gris qui s'impactent entre elles. Des nuances de gris qui vont s'impacter sur le long terme. Je préviens tout de suite, je vais beaucoup changer de sujet. J'ai pas préparé quelque chose. C'est juste moi qui discute. Moi qui parle de ce que j'ai compris au fil des années, de ce que j'ai vécu. Si vous avez aussi des choses à dire, n'hésitez pas. C'est le moment parfait. Parce que ce live, c'est un live qui est fait pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous vous disiez, ok, j'allais mal avant. J'étais clairement dans une détresse à tel niveau. Pourquoi? Merci Ruby. Comprendre qu'on est en détresse, c'est déjà se dire, ok, je sais qu'il y a quelque chose qui va mal. Je sais que c'est qu'il y a quelque chose sur lequel je vais devoir retravailler. Mais il y a tant de choses qui sont nécessaires dans la vie. Pour beaucoup. Je vais prendre un exemple si simple. Les streamers. Les streamers actuellement sont nombreux. Il y en a qui réussissent, d'autres qui sont bloqués à zéro ou un viewer. Mais pourquoi la personne s'est mise à streamer au départ? Parce qu'elle a vu quelqu'un qui streamait, que ça l'a motivé. Oui, mais pas que. Quelqu'un qui stream, c'est quelqu'un qui a envie de partager des choses, qui a envie de partager ses émotions.
qui a envie de partager ses expériences. Streamer, c'est avant tout un moyen de parler. Un moyen de parler qui n'est pas toujours possible pour les personnes. J'ai streamé parce que j'avais l'impression d'écouter, que dans ma vie quotidienne, je ne faisais qu'écouter. Je me suis mis à streamer parce que je voulais partager ma vision du monde. Je voulais comprendre aussi les autres visions des personnes avec qui je discutais, avec qui que je découvrais. Découvrir des choses, c'est toujours ce qui m'a intéressé. Mais pour découvrir, il faut savoir remettre en question comment on découvre. Savoir se dire que il n'y a pas forcément du bon, il n'y a pas forcément du mauvais. Il y a des choses qui vont être bien ou pas pour soi. Il y a des choses qu'on va apprécier, d'autres non. Et c'est tout ça qui fait que il y a des streamers qui réussissent très bien. Il y en a d'autres, il faut qu'ils parlent. Il y en a d'autres qui doivent partager plus. Il y en a qui le font très bien. Il y a des streamers qui parlent beaucoup, mais qui écoutent aussi. Un streamer qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à faire sa communauté. C'est simple dit comme ça, mais pour beaucoup, juste jouer, c'était apparemment la condition nécessaire. Pour d'autres, trop parler, ça peut les bloquer sur quelque chose. Ça peut les bloquer sur soit une activité, soit des sujets qui, même s'ils sont importants, même si à leurs yeux c'est important d'en parler, le fait d'en parler tout le temps, c'est aussi un problème. Et oui. Savoir équilibrer tout ça, c'est quelque chose qui est dur. Il faut savoir équilibrer dans la vie. Savoir se dire, ok, je peux faire ça, ok, je peux pas faire ça. Ok, j'ai dit ça. Ok, je peux découvrir ça. Ok, je peux partager ça. Mais il y a tellement de choses qui vont être perçues différemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'a le même passé. Vous avez chacun des bases différentes. Des choses qui font que vous en êtes là aujourd'hui, là où vous êtes. Des choses qui vous ont marqué, en bien comme en mal. Des événements qui vous ont vraiment changé, qui ont changé votre vision des choses. Mais c'est cette vision des choses, c'est ces événements, ce passif qui font ce que vous êtes. C'est cette histoire qui vous permettra d'avancer. C'est cette histoire qui va vous dire ne fais pas les mêmes erreurs. On peut se dire il y a beaucoup de choses. On peut se dire même que l'expérience c'est quelque chose qu'on vit par soi-même. Non. L'expérience qu'une personne a vécue, elle peut être transmise aux autres. L'histoire, c'est un ensemble d'expériences, un ensemble d'événements, de personnes que des personnes ont provoquées, qui ont impacté d'autres personnes et qui ont fait que des gens aussi ont pu faire d'autres choix. Vous pouvez expérimenter. Mais en discutant aussi avec les autres, vous pouvez vous rendre compte que eux aussi ont expérimenté, que eux aussi ont fait des choix dans leur vie.
des choix pas forcément qu'ils ont acceptés, pas forcément des choix qu'ils ont encore du mal à se dire, j'ai pris ce choix, je vis avec telle conséquence maintenant. Être parent aussi, ça a apporté ses expériences à ses enfants. Mais avoir des enfants, c'est une expérience en soi. Vous voyez, c'est tout peut apporter une expérience. Tout peut apporter quelque chose où on se dit, si dans ma situation, je l'ai vécu ainsi, alors d'autres personnes qui sont dans une situation similaire peuvent en avoir besoin. Papa Siro. Non. Pour le moment, je sais pas. C'est ça le truc. C'est, je sais pas si actuellement je pourrais être papa. Parce que je sais que même si j'en ai envie, c'est une charge importante. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de préparation. C'est quelque chose où aussi il faut être sûr que peu importe ce qui arrive après, il faudra toujours soutenir son enfant. Ouais. Car être parent, c'est voir son enfant grandir. C'est essayer de comprendre pourquoi il a fait ses choix alors que vous le meniez vers d'autres choix. Être parent, c'est comprendre que votre enfant, c'est votre enfant et vous êtes vous. Chaque personne est unique. Chaque personne est différente. Et pourtant, vous vous êtes liés. Vous êtes liés par quelque chose. Chaque personne dans ce monde est liée par quelque chose. Le lien le plus simple que je pourrais dire, ce serait d'être en vie. Il y a des liens qui sont plus forts que d'autres, les liens du sang. Des liens qui sont pas forcément les plus joyeux. Qui donne pas forcément lieu à la meilleure des situations. J'ai ma famille avec qui je vis très bien, mais on a vécu beaucoup de choses. J'ai une famille qui a vécu beaucoup de péripéties. Et de l'autre côté, j'ai découvert des personnes avec qui je sais que si je devais m'en passer, ça me ferait un énorme choc. La rencontre qu'on fait avec les personnes, c'est toujours quelque chose d'étrange, de bizarre. Il y a des rencontres qui vont marquer sur l'instant. D'autres qui vont marquer par soit une action, soit une phrase. Et enfin, il y a des rencontres, on sait on ne pourra jamais s'en passer, jamais se... Même à la porte de notre mort, on se dira, j'ai fait cette rencontre dans ma vie, et bordel, elle m'a marqué. Moi, cette rencontre qui m'a marqué, les premières rencontres qui m'ont marqué, ce sont mes amis les illustres. Une bande d'artistes que je connaissais absolument pas. Une bande d'artistes que j'ai découvert au lycée. Au départ, je les ai connus à un hasard le plus total. Quelqu'un dans ma classe commençait à faire des histoires pour les illustres qui venaient tout juste de se créer. Les gens se connaissaient à peine. Les gens ne discutaient pas. Et je me souviens avoir vu ça de côté. J'étais là en mode, ah tiens. Oui, Akil. Oui, Thé en vinaigre en fait partie. Mais c'est pas par elle que j'ai découvert les illustres. C'est parce que j'ai vu ce gars dans ma classe qui était
sur la page des illustres, je me suis dit, oh, ça a l'air intéressant. Est-ce que je ferais pas, ce serait pas bien que j'aille tester un petit peu? La suite, c'est j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré des artistes d'horizons tellement différents, mais des artistes qui se connaissaient pas ou peu. Et aujourd'hui, même si beaucoup sont partis, il y en a certains qui sont restés. Et ceux qui sont restés, ce sera toujours un plaisir de les voir. Ce sera toujours un moment marquant de discuter avec eux. Même les discussions banales quotidiennes, ce moment où on se dit j'aime passer du temps avec eux, c'est mon endroit où j'aime beaucoup discuter, j'aime juste passer un moment avec eux. Si vous arrivez à trouver cet endroit pour vous, alors dans ce cas, vous pouvez faire n'importe quoi. Les liens du sang sont forts, sont parfois trop forts. On se dit qu'on n'a pas moyen d'y échapper. Et pourtant, avoir des liens du cœur, des personnes avec qui on est sûr d'adorer passer notre temps, ça peut parfois sauver de si loin une personne. Pour beaucoup, c'est dur de se dire que je vais pas confier ma vie à n'importe qui. Je vais pas discuter de ma vie avec n'importe qui. Parce que c'est des choses qui m'ont marqué. Ce sont des choses qui ont été très spécifiques. Et pourtant, je sais qu'aujourd'hui, si quelqu'un des illustres était dans le mal, j'essaierai de lui apporter au mieux mon aide. Si j'étais dans le mal, j'irai demander de l'aide aux illustres. Parce qu'ils me connaissent. Parce qu'on se connaît. Parce qu'on sait un petit peu comment chacun réagit. Parce qu'on a vécu des hauts et des bas ensemble. La preuve, j'ai reçu un faire-part de naissance d'une des personnes qui a eu un bébé pendant les années Covid. Cette personne a eu un enfant, elle fait partie des illustres, et pour elle, c'était important de recevoir qu'elle nous envoie quelque chose. Et je sais que pour tout événement important, j'essaierai toujours de faire en sorte de les inviter, de les réunir avec moi. Parce que il y a des rencontres où on se dit, c'est ma famille. Et c'est ça en fait. Les liens du sang, c'est pas forcément une famille qu'on a choisie. Mais s'il y a des personnes avec qui vous êtes beaucoup trop proche, avec qui vous êtes très proche, avec qui vous passez des moments incroyables, c'est peut-être pas la famille dans laquelle vous êtes né. Mais c'est la famille avec laquelle vous aurez le plus de chances de passer une vie merveilleuse. J'allais dire aussi j'essaye de voir un petit peu ce que je peux dire de plus. Parce que la santé mentale, c'est savoir comment faire de bonnes relations avec les gens, savoir quelles sont les relations qui peuvent apporter que du bien envers les personnes. Et puis, la santé mentale, c'est aussi accepter qu'on ait fait des erreurs, mais accepter aussi qu'on a fait de bonnes choses dans la vie. La santé mentale, c'est un ensemble d'éléments qui sont si petit et qui pourtant a un impact incroyable.
Et la santé mentale, ça permet aussi de faire quelque chose qui, quand on est bien, on peut se permettre de penser aux autres. Si vous voulez, je le répète, aider les autres, faites en sorte d'aller bien avant. C'est trop facile de se dire, je vais aider les autres et ça va m'apporter du bonheur. Non, pas forcément. Aider les autres, ça peut apporter une sorte de satisfaction. Mais si vous avez un problème et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, eh ben, aider les autres, ça va pas changer l'état de ce problème. Et dans tout ça ne peut que continuer cette situation, ça peut que empirer votre situation. Et c'est pour ça que je vais dire quelque chose qui peut surprendre, quelque chose qu'on vous dit pas forcément assez. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Pas forcément à des autorités gouvernementales, tout ça. Pas forcément à des personnes dont c'est le métier. Des fois, demander de l'aide à d'autres personnes de votre entourage, ça peut apporter une meilleure situation. Demander de l'aide à parfois des inconnus, ça peut être aussi quelque chose de marquant. Ça peut aussi être quelque chose qui va vous changer. Quelque chose qui va vous aider à progresser de manière exponentielle. Demander de l'aide, c'est dur. Vraiment dur. On se dit, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire au quotidien. Parce que c'est tout simplement quelque chose que j'ai pas envie de partager. Quelque chose que j'ai pas envie de dévoiler aux autres. Mais à un moment, il faut bien parler. Tout garder pour soi, c'est catastrophique. Il y a des choses qu'il ne faut pas garder pour soi. Surtout les choses qui vous ont blessé. Pouvoir dire à quelqu'un, cette chose m'a blessé, c'est déjà mettre un doigt sur ce qui vous a blessé exactement. C'est mettre un doigt sur quelle chose on doit sur quelle blessure il va falloir qu'on se concentre pour faire en sorte qu'elle guérisse. Il y a tant de moments dans ma vie où j'aurais aimé demander de l'aide. Mais il y a aussi des moments dans ma vie où j'ai été heureux qu'on me demande de l'aide. Je suis pas un cas, je suis pas un exemple. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Il y a des choses que je dis et que je fais pas. Il y a des choses que j'essaye d'appliquer, mais c'est dur. Mais s'il y a moyen de progresser dans sa vie, n'hésitez pas. S'il y a des choses à changer dans votre vie et que vous avez peur de le faire seul, dans ce cas, demandez de l'aide autour de vous. Demandez à des gens à être accompagnés. Demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse. C'est savoir reconnaître quand on ne peut pas agir tout seul et savoir qu'il est temps de demander l'appui des autres. Certains pourront en profiter, ça c'est sûr. Mais ces personnes sont juste d'autres personnes en détresse. Surprenant. Chaque personne a besoin d'aide au moins une fois dans sa vie. Chaque personne n'est pas forcément née avec la capacité de tout gérer. Il y a des choses où je suis très doué, d'autres où je suis lamentable. La géographie. Je sais me repérer en pleine ville, mais niveau géographique, mondial, même
nationale, je suis une quiche. Je sais que je pourrais jamais faire des trucs là-dessus parce que je suis nul à chier. Et voilà, c'est ça, il y a juste plein de matières, plein de sujets, plein de choses dans la vie où je sais que j'ai pas l'expérience. Je sais que c'est pas pour moi, je sais que j'ai testé ce truc et je sais que c'est compliqué. Ma forme d'expression, c'est l'écriture. J'ai essayé le dessin. Compliqué. C'est tout un apprentissage, toute une rigueur à avoir que j'ai pas forcément. J'ai essayé la musique aussi. De temps en temps, je m'y mets, je fais une petite musique pour moi, mais je sais que ce sera pas du niveau pas plus important que juste des sons mis ensemble. Pour moi, l'écriture, c'est quelque chose où je pose ma main et je laisse aller mon esprit. Je laisse aller mon esprit qui va écrire, juste écrire ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent sur une situation imaginaire. Écrire sur des situations qui ne se sont pas du tout passées. Écrire, c'est quelque chose qui est toujours impactant pour moi. Même si je n'écris pas assez, c'est quelque chose qui lie pour moi autant l'état de ma santé mentale actuelle et le fait de communiquer ça aux autres. Mais le dessin aussi, ça partage quelque chose. La musique aussi, ça partage quelque chose. Chaque art dans lequel vous vous mettez peut partager votre sentiment, votre ressenti. Mais des fois, on veut juste écrire ce qu'on voit. Vous voyez la blague des professeurs de français qui analysent absolument les professeurs de français ou de littérature qui analysent absolument toutes les phrases. Vraiment toutes. Même quand la phrase c'est juste la porte était bleue. La blague, c'est que certains professeurs pourraient vous dire. Non mais ça je sais que c'est une blague. Il y a des moments où on sait que la phrase elle est juste descriptive. Elle va pas donner de détails particuliers. Et il y a d'autres professeurs qui pourraient vous dire, mais alors pourquoi il l'a écrit ainsi? Quelle est la raison? Il y a bien une raison pour qu'il ait dit exactement à cet endroit précis que la porte était bleue. Ça veut décrire son état, ça veut décrire quelque chose qu'il ressentait. Votre vision est différente des autres, mais votre vision peut apporter quelque chose aux autres. C'est quelque chose qui peut surprendre. C'est des choses qui, on se dit, donner trop d'importance ou pas assez d'importance, ça revient à la même. Non. Ça peut provoquer le même effet. Mais pas forcément non plus. La vie est d'un compliqué. Je le reconnais, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi compliqué. À part peut-être le plot de certains jeux vidéo, mais bon, ça encore, ça se discute. Mais la vie, c'est une expérience en soi. C'est bizarre à dire comme ça, mais la vie, c'est des relations, c'est des événements.
C'est des choses sur lesquelles on peut avoir un impact, ou sur lesquelles on peut apprendre des autres qui ont eu un impact. Je vais prendre un autre exemple. Les Français sont très forts sur Internet. Les Français réagissent beaucoup sur Internet. Je pense au Grand Prix Explorer. Je pense au match de football d'Amine. Je pense aussi aux Z-Event. Et pourtant, dans la vie, C'est pas du tout ça. il y en a qui sont bloqués, il y en a qui sont seuls, il y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et qui pourtant vont se plonger pour aider les autres. Ces personnes, ce genre de personnes, j'ai envie de les secouer et de leur dire, mais occupe-toi de toi. Aider les autres, c'est bien. Mais s'aider soi-même, c'est peut-être la première chose à faire. Vouloir se repentir de son passé, vouloir expier ses fautes, vouloir prouver aux autres qu'on peut être utile, c'est juste un autre souci. C'est juste ne pas accepter que on a fait telle ou telle erreur, qu'il y a un passif que le passé ne peut pas changer. Parce que si le passé change, si le passé changeait, vous ne seriez pas là aujourd'hui. On ne se serait peut-être pas rencontrés. Le passé n'est pas quelque chose dont on cherche à modifier les actions, mais quelque chose dont on apprend des conséquences. Pourquoi certains ferment plus de portes qu'ils en ouvrent? Parce que, tout simplement, soit on leur a toujours dit que c'était la meilleure chose à faire, soit parce que ce sont des options qu'ils ferment parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour, parce qu'ils n'ont pas soit les droits, soit les qualifications. Est-ce que vous avez tenté déjà des choses dans votre vie alors que vous pensiez en être incapable? Ça peut être banal, ça peut être vraiment banal, ça peut être cuisiner, ça peut être streamer, ça peut être faire des tâches qu'on n'avait pas l'habitude de faire. On peut être plein de ressources si on a les bonnes bases. Faire une chose sans se renseigner avant, c'est peut-être un petit peu une mauvaise idée. Cependant, c'est aussi une expérience en soi. Faire quelque chose la première fois et se tromper, c'est pas grave. On vous le dit pas assez, mais c'est pas grave. Ça vous permettra de ne pas répéter ça les prochaines fois. Ou ça peut vous permettre de comprendre que votre corps peut accepter telle ou telle condition, telle ou telle chose, mais pas d'autre. Votre santé mentale est liée à la façon dont vous interagissez avec les gens. Votre santé mentale est un lien qui peut être une porte de sortie, une bouée de sauvetage pour d'autres personnes. On m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé de l'aide pour des situations parfois anodines, pour des situations bien complexes. J'ai parfois pris les devants. D'autres fois, j'ai juste donné des conseils. Et pourtant, je me dis que
Il y a des expériences, il faut les vivre soi-même. Il y a des expériences qu'on ne peut pas faire pour d'autres personnes. Si vous avez peur de faire ce premier pas, si vous avez peur de faire cette expérience, dans ce cas, n'hésitez pas. Demandez à quelqu'un autour de vous de faire cette expérience avec vous. La faire à plusieurs, c'est plus pratique, c'est plus, ça soulage beaucoup plus, et surtout, ça rassure un petit peu. Sa santé mentale, c'est quelque chose qu'on gère soi-même à plusieurs, dont on reçoit l'aide à plusieurs. Sa santé mentale, c'est si tout va bien, alors je peux aider les autres. Mais si je ne vais pas bien, les autres peuvent m'aider. Je pense au manga Fullmetal Alchemist, la règle de l'équivalence. Si tu donnes sans t'attendre à quoi que ce soit, attends-toi à recevoir à quelque chose. Dans la vie, les gens qui donnent sans penser à une quelconque récompense, ce sont des gens qui recevront aussi une autre forme de récompense. Aider quelqu'un sans rien attendre, ça peut être une expérience. Et ça peut aussi vous soulager un petit peu. Mais si vous aidez des gens parce que vous attendez à ce que vous récupériez quelque chose, dans ce cas-là, vous n'apprendrez peut-être pas forcément de cette situation. Vous n'apprendrez peut-être pas forcément que apporter son aide, c'est quelque chose qui se fait parfois sans réfléchir, qui se fait parfois sans récompense. Vous avez déjà forcément eu quelqu'un dans votre entourage, que ce soit ami ou famille, qui n'était pas bien. Et il y a forcément un moment eu une demande d'aide. Est-ce que vous vous êtes dit, je peux gérer cette situation, oui ou non? Parce que même si aider les autres, c'est bien, il ne faut pas se plonger tout de suite. Oui, c'est étonnant, mais je ne vais pas dire à tout le monde, aidez les autres dès que vous le pouvez. Non. Aider les autres, c'est faire en sorte que de savoir si oui ou non on peut aider cette personne, et si ce n'est pas le cas, savoir vers qui tourner, vers qui se tourner pour guider la personne qui a besoin d'aide. Et dans tout ça, ça va me permettre de faire un autre lien. Communiquer. Communiquer sur son mal-être, communiquer sur sa situation, communiquer sur quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose que je vois actuellement qui est mal faite. La communication est pourtant quelque chose d'essentiel, que je trouve essentiel. Mais personne ne l'apprend. Personne n'apprend à communiquer. Communiquer, c'est dur. C'est vraiment, vraiment très dur. Ne pas avoir le même bagage que les autres, votre message en sera forcément changé. Ne pas avoir le même bagage que les autres, ça fait que vous pouvez parler d'une situation, ça peut pas, vous pouvez parler d'une situation et vous rendre compte que votre idée ne sera pas transmise aux personnes.
comme il le faut. Communiquer, c'est aussi se rendre compte que la personne en face a dit quelque chose, que c'est quelque chose qui peut être important, et que il y a toute une histoire derrière aussi. Chaque phrase a son histoire. Chaque pensée a sa vision. Aller à l'encontre des gens, faire en sorte qu'ils se rendent compte que leur idée, ça peut être quelque chose de bien comme quelque chose de mal, c'est compliqué. Bonjour. Aller à l'encontre d'idées déjà construites, c'est quelque chose qui est difficile. Mais pas impossible. Le monde a évolué. Je parle pas d'évolution darwinienne. Je parle pas d'évolution dans le sens on est passé du singe à l'homme. Je parle d'évolution, de changement. Le monde a changé. Le monde change constamment. Les idées aussi. Ce qu'on trouvait maintenant être de très mauvaises idées, maintenant sont considérées comme bonnes idées. Le contexte, la situation, les changements qui ont eu lieu, les idées, les personnes. Il y a tellement de choses qui peuvent impacter une personne, tellement de choses qui peuvent impacter une phrase. Une même phrase, dite à deux époques différentes, n'a pas le même impact. Communiquer, c'est dur. Je le répéterai jamais assez, c'est dur. C'est savoir exprimer sa pensée de la façon la plus claire et compréhensible. Il y en a qui vont avoir besoin de papier pour mettre à plat leurs idées, pour mettre en ordre leurs idées. Il y en a d'autres qui vont prendre une idée au vol et développer à partir de là. Je suis plus de cette deuxième catégorie. Et pourtant, il y en a d'autres aussi qui se disent qu'ils vont pas communiquer parce que soit ils vont suivre les idées des autres parce que c'est quelque chose où ils se disent ouais ça peut le faire alors qu'ils avaient une idée qui pouvait être mieux, meilleure, soit tout simplement ils ont pas envie de communiquer, pas, ils ont encore trop de mal à formuler leurs idées. Communiquer ses idées, c'est tout un art, tout un apprentissage. Fait lui aussi d'erreurs. C'est étonnant, non? Communiquer, c'est se rendre compte qu'on a dit quelque chose, que c'était une chose qui a été mal dite. Et pourtant, c'est essayer de dire, j'ai dit ça, c'était de la merde. Communiquer sur les réseaux, c'est une autre forme. Les réseaux apportent plus de possibilités de relations, de contact avec d'autres personnes. Là où la distance est importante, le fait que les réseaux existent, ça permet de voir tellement de visions, mais totalement différentes. Et pourtant, les réseaux aussi, c'est quelque chose qui a évolué, parfois trop vite, vraiment trop vite. Communiquer sur les réseaux, c'est encore plus dur que de communiquer dans la vraie vie.
communiquer sur les réseaux, c'est avoir un personnage, avoir une autre personne. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément montré à tout le monde. C'est quelqu'un qui va dire quelque chose dont les rapports, dont la phrase n'a pas forcément le même passif pour tous. Communiquer sur les réseaux, c'est communiquer un maximum, c'est essayer de communiquer un maximum de personnes qui ont des bases différentes, sans montrer quelle base on a. On peut partager ses victoires, on peut partager ses défaites. D'autres verront les défaites comme des victoires, parce que c'était des tentatives, ou c'était quelque chose à ne pas tenter, et qu'au final, cette défaite, c'était juste une meilleure solution pour la personne de ne pas se plonger dans quelque chose de mauvais. Les victoires, ça peut être aussi considéré comme des défaites pour d'autres. Une victoire sur quelque chose de, sur une matière, sur quelque chose, sur par exemple un apprentissage. Et au final, avoir le retour d'expérience de gens qui te disent, bah, au final, c'est bien, mais ça va pas t'apprendre ce que tu fais dans la vraie vie. Tu le vis mal. Les expériences et les échecs sont différents pour tout le monde. Et les expériences et les échecs sont autant d'expériences que des choses à partager aussi. Je parle beaucoup d'expériences parce que c'est quelque chose que j'aime mettre en avant. La vie n'est pas, pour moi, n'est pas remplie que de théorie. La théorie, c'est bien. La pratique, en général, est bien différente. Le hasard joue un rôle si grand dans tout ça. Et pourtant, selon certaines théories, le hasard n'existe pas. C'est juste l'ensemble des événements qui, mis bout à bout, ont mené à telle situation. Le hasard en informatique n'existe pas, par exemple. C'est quelque chose qu'on appelle le pseudo-hasard. Parce que il y a certaines fonctions qui, si on relance de la même manière, vont donner la même suite de chiffres. Les expériences, c'est vraiment compliqué. Les réussites, les défaites, communiquer autour de tout ça, c'est très compliqué. Je me suis toujours dit, communiquer sur les... J'avais très peur de communiquer sur Twitter. J'en entendais que du mal parce que je voyais des choses, j'entendais des choses dessus. Et je me disais, je ne sais pas si j'aurais forcément le mental pour résister à tout ça. Les réseaux sociaux peuvent apporter du bien comme du mal. Mais ça, c'est la vie en général. On peut faire des rencontres incroyables comme des rencontres qui nous détruisent. Il y en a qui ne font pas du mal parce qu'ils le veulent. Il y en a d'autres qui font du mal parce que c'est la seule façon qu'ils ont de s'exprimer. C'est la seule façon qu'ils ont appris pour s'exprimer. Alors, non, du coup, je ne lis absolument rien. Je parle juste. Je dis des choses de par mon expérience, de par mon passé, de par ce que j'ai appris
et de comment je souhaite vous le communiquer. Twitter peut être un lieu magique comme un lieu chaotique. Pourtant, il y a des choses bien. Hein. Si je n'étais pas allé sur Twitter, je ne serais pas là aujourd'hui. Très clairement. Si je n'étais jamais allé sur Twitter, je n'aurais pas fait autant de découvertes de personnes avec qui j'aime discuter. Mais Twitter, c'est le lieu où, comme tout le monde peut être qui il veut, certains s'y lâchent, parce que dans la vraie vie, ils ne peuvent pas. Certains, dans la vraie vie, ne font que subir. Et comme ils n'arrivent pas à expier tout ça, ils font subir aux autres sur Twitter ce qu'ils subissent dans la vraie vie. C'est pour ça que les trolls, par exemple, les trolls sur Internet, très souvent, si je suis encore très peu tombé sur des trolls. Et pourtant, Dieu sait que si je tombais sur des trolls, j'aimerais leur poser la question de pourquoi? Pourquoi tu fais ça en fait? J'aimerais savoir. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Pas méchamment, mais juste comprendre qu'est-ce qui lui pousse lui à le faire. Il y a d'autres personnes qui ne parlent pas sur les réseaux, qui se disent c'est pas pour moi. C'est peut-être vrai. Mais les réseaux permettent de découvrir d'autres horizons différents. Chacun apprend comme il le peut. Chacun apprend à son rythme. C'est tout un art, c'est toute une subtilité, c'est tout un passage. Et pourtant, chacun peut donner des conseils aux autres. Je suis jeune. J'ai 23 ans. Et pourtant, je donne des conseils aux gens depuis quelques années maintenant. Certains pourraient ne pas écouter mon conseil parce que je suis jeune, parce que je suis sur Internet. Ok. Mais pour ceux qui écoutent les conseils, merci déjà. Parce que ça, écouter un conseil, c'est dire qu'on souhaite quand même apprendre de la personne. C'est dire, ok, je veux bien un autre point de vue. Plus on vieillit, plus on a de l'expérience. Et pourtant, des fois, je me dis qu'il y a des enfants qui pourraient donner de meilleurs conseils que des adultes. L'âge ne fait pas tout. L'environnement ne fait pas tout. Il y a tellement de choses qui impactent. Voilà. Pour certains, c'est un problème de communication et de compréhension. Pour d'autres, c'est juste pour exprimer une frustration ou s'amuser du malheur des autres. Mais oui, mais dans ce cas à qui je vais te poser la question, pourquoi ils cherchent à s'amuser du malheur des autres? Est-ce qu'on leur a vraiment posé la question? C'est couillon, mais même si beaucoup ne veulent pas discuter avec des trolls, c'est compréhensible. Parce que discuter avec quelqu'un qui vient de t'insulter, il te faut un sacré mental et un sacré self-control, un contrôle de soi, pour vouloir continuer à discuter avec cette personne. Mais une fois que le premier pas est fait, une fois que ce pas du « tu m'as insulté et pourtant je cherche à continuer à discuter avec toi » est fait, vous pensez qu'il en reste quoi de cette personne? Des doutes. Des doutes comme beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont frustrés aussi.
Il y en a qui, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui auraient aimé faire ce qu'on fait, qui aimeraient être à notre place. Et pourtant, chaque chose mérite un dur travail. Chaque chose est une expérience qui est unique à vivre. Chacun avec son histoire va se construire une expérience propre. Oui. Avant, c'était mal vu de faire du contenu sur Internet. Mais maintenant, c'est une part de notre monde. Il faut savoir distancier la personne qui est à l'écran de la personne dans la vie de tous les jours. Ça, c'est vrai. Mais il faut aussi se dire que la personne à l'écran ne veut pas. Non, je vais dire ça autrement. Traiter les autres personnes telles que tu aimerais être traité. C'est parfois très compliqué. C'est parfois pas compréhensible. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Communiquer une phrase, c'est compliqué. Communiquer sa frustration, c'est compliqué. Et pour ça, il faut savoir quand rejeter sa colère, à quel moment, de quelle façon. Quelle est la vraie cible de notre colère? Ce sont tant de détails qui font que on ne sera jamais des pros à communiquer. On aura toujours notre façon de faire qui sera tellement particulière et tellement unique à nous-mêmes. J'ai envie de discuter avec le plus de gens pour que les visions du monde soient partagées. Il y a tant de choses, tant d'expériences qui ont été vécues. Et même si c'est compliqué d'avoir le temps de tous les écouter, bonjour. Écouter des expériences différentes, c'est peut-être la meilleure chose pour essayer d'en découvrir plus sur soi. Votre santé mentale est importante. Vous êtes unique en votre genre. Vous êtes un ensemble d'expériences qui font que vous en êtes là aujourd'hui. De bons comme de mauvais. Discuter avec des gens aussi, c'est dur. C'est parfois plus simple de se dire j'aimerais rester dans mon coin. Mais quand on fait ce premier pas d'aller vers l'autre, on peut parfois être surpris par les réponses qu'on a, par les interactions qu'on a. Si je n'avais pas fait tant d'interviews aujourd'hui, tant d'interviews jusqu'à maintenant, j'aurais peut-être été bloqué sur d'autres idées. Je sais qu'il y a des personnes qui ont une vision du monde qui leur est propre, pas leur passé. Il y en a d'autres qui s'imaginent que le monde est tel qu'il est, parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas expérimenté suffisamment. N'ayez pas peur d'échouer. Si vous voulez expérimenter, faites-le. Si vous dites que c'est grave d'échouer, sortez-vous cette idée de la tête. Même si c'est dur, même si des fois
L'échec peut être considéré comme important. C'est une expérience qui est unique en son genre et qui vous permet d'évoluer, de changer, d'améliorer la façon dont vous faites les choses. Le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Chacun a un impact sur son entourage. Chacun a un impact sur son propre monde. Et communiquer avec d'autres mondes, c'est parfois faire des découvertes surprenantes. C'est maintenant la petite pause pour que je vous laisse tout digérer. Ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de discussions de ma part. Je vais vous poser une simple question pour que vous voyez à quel point votre vision est différente. Qu'est-ce que vous ne supportez pas? Vous pouvez vous lâcher dans le chat. Vous pouvez répondre tout et n'importe quoi en essayant de rester le plus Twitch-friendly possible, hein, bien entendu. Mais exprimez-vous. Dites ce que vous ne supportez pas. Gens qui te bloquent la route en skate. En fait, ils vont pas faire top, ils vont te placer au-dessus de l'arc, c'est genre pas du tout volontaire. On va partir, je ne suis pas sur le fait de ne pas faire l'effort de comprendre. Alors, je vais déjà partir sur la phrase de Cthulhu. Cette phrase où il dit très clairement, c'est pas du tout volontaire. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui n'ont pas forcément la connaissance de la portée de leurs actes, qui se disent, oui, j'ai fait ça, mais ça va impacter que moi. Alors qu'au final, en faisant ça, il a impacté d'autres gens. C'est compliqué. Savoir à quel point tu peux impacter des gens, c'est compliqué. Savoir jusqu'où ton impact va aller, c'est un autre niveau. C'est savoir quel recul tu as. Les humains, c'est compliqué. Oui, c'est d'un compliqué, d'un niveau tel. Mais la vie, de manière plus générale, est compliquée aussi. Regarde comment, quelles réactions dans la nature sont faites. Comment la nature réagit à telle ou telle situation? Et pourtant, l'effort de comprendre, c'est quelque chose qui est dur aussi. J'ai parlé d'essayer de faire des efforts de comprendre tout ça,
Mais là, je suis en train de dire que comprendre, c'est compliqué. Eh bah, ben, c'est vrai. Essayer de comprendre les gens, c'est tout un travail. Essayer de comprendre comment fonctionne notre monde, c'est tout un travail. C'est dur. Très, très dur. Le sophisme, c'est appuyer ce qu'on a compris du monde. C'est appuyer ce qu'on a compris de la situation. C'est appuyer un fait qu'on souhaite être vrai. Mais le sophisme, plus il est mis face à ces faits, plus une personne peut se rendre compte après, voire pendant, qu'il s'est trompé. Mais il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Les choses les plus dures dans la vie, comprendre les réactions, comprendre ce qui se passe autour de nous. Savoir aussi que faire des erreurs, c'est une expérience, que c'est pas forcément ultra grave. Le sophisme, c'est faire des raccourcis. Oui, non, Akil. Oui et non. Le sophisme, ça sert à appuyer son idée. Ça sert à utiliser l'affect, les émotions, pour que son idée soit mieux acceptée. Le sophisme peut être très bien utilisé. Le sophisme peut être utilisé pour des situations nécessaires, notamment tout ce qui est besoin de dons pour des pays. Il y a une part de sophisme, parce que même si on peut vous expliquer qu'un pays est en guerre, mais si on ne vous montre pas les ravages, vous n'allez pas forcément vous y intéresser. Le sophisme peut être utile, mais il peut aussi être dangereux. Ce que je veux vous montrer, c'est que la vie est compliquée. Les relations sont compliquées. Et jamais tout est tout noir ou tout blanc. C'est juste un équilibre de choses pas très équilibré, on va pas se mentir. Le sophisme, c'est tout un art pour mettre son idée en avant. Ça remonte à très loin, en même temps que la philosophie. La philosophie, c'était l'art de se poser des questions. Le sophisme, c'est l'art de mettre en avant sa compréhension, de mettre en avant, d'appuyer les faits qu'on souhaite démontrer. De toute façon, l'humain, c'est surcoté. C'est surtout que c'est surcompliqué. Je pense que c'est le meilleur terme. C'est compliqué, mais c'est d'un compliqué. C'est même compliquant. C'est compliqué et vachement con parfois. Mais avec tout ça, avec cette discussion qu'on a eue ce matin, cette discussion où je me suis dit c'était quand même nécessaire. Parce que encore hier, j'entendais des gens être mal et qui voulaient apporter leur aide. Encore hier, j'entendais des gens aller mal et qui avaient du mal à se dire je dois changer. Encore hier, je voyais des gens faire des efforts de partout et qui, des fois, ne prenaient pas le temps pour soi.
Prenez le temps pour vous. Vous pensez ne peut-être pas en avoir besoin, mais pourtant, c'est quand il est trop tard qu'on se rend compte qu'on aurait dû prendre une pause. C'est quand il est trop tard qu'on se rend compte qu'on aurait pu faire les choses différemment. La vie est dure, la vie est compliquée, mais plus la vie vous façonne, plus les expériences que vous avez peuvent aider les autres, peuvent vous aider vous-même. Pensez d'abord à vous aider vous-même avant d'aider d'autres personnes. Ne vous mettez pas dans le mal parce que vous dites que ça vous permettra d'expier des fautes. Apprenez de vos erreurs et dites-vous, j'en ai fait. C'est vrai. J'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des mauvaises choses. Comment est-ce que je peux faire en sorte d'apporter de meilleures choses dans ma vie à partir de maintenant? Comment je peux faire en sorte d'être un meilleur humain, d'être une meilleure personne? Communiquer aussi. Communiquer, c'est l'art de demander de l'aide quand vous en avez besoin. C'est l'art d'exprimer votre pensée en essayant d'être le plus clair possible. C'est savoir dire aussi comment vous voyez votre vision du monde, comment vous voyez votre entourage, comment vous voyez le monde autour de vous. Communiquer, c'est se dire que la personne en face n'a pas le même bagage que soi, que si elle l'a compris différemment, alors peut-être la phrase a été mal dite. Mais peut-être plus d'explications sont nécessaires. Parler en vocal, ça permet beaucoup de choses. Parler à l'écrit, ça permet de poser à plat tout ce qu'on a besoin de dire. Bonjour psycho. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Mais le premier pas, premier pas est vraiment dur. Le premier pas est toujours le plus compliqué. Le premier pas pour se dire je me suis trompé, il faut que je m'améliore, il peut être difficile à accepter. Accepter qu'on s'est trompé, accepter qu'il faut apprendre de ses erreurs, c'est déjà un pas en avant. Si vous avez du mal à accepter ce pas, dites-vous que d'autres peuvent vous le faire comprendre à leur façon. Il y en a qui vous connaissent bien, il y en a avec qui vous avez interagi pendant des années, des mois, peut-être des jours, ou peut-être même des personnes que vous ne connaissez absolument pas, et qui pourtant, par leur simple phrase, vont vous marquer d'une façon ou d'une autre. Je pensais que j'allais avoir beaucoup de choses à dire sur la santé mentale. Je pensais que j'allais avoir beaucoup de choses à dire sur la communication. Et je me rends compte qu'au final, c'est des éléments qui, même si ça semble ne rien avoir en commun, il y a tellement de choses qui sont liées. Je vais faire une petite pause, le temps que tout le monde digère tout ce qui a été dit, que tout le monde réfléchisse un petit peu. Et puis, je reviendrai après,
Bah pour essayer de vous apporter des conseils, plus particuliers sur vos cas. Si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des astuces. Voilà. Je vous dis à dans quelques minutes.
Me revoilà. Alors, on va reprendre un petit peu ce que vous étiez en train de dire. Akil fait une vision. Tu as une vision qui est unique à toi. Tout simplement parce que tu cherches surtout à voir les bons moments. Et que même si tu t'énerves contre une personne, tu vas juste être triste. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi elle avait réagi ainsi? Pourquoi elle avait fait une telle réaction? C'est compliqué de se mettre dans les pieds de quelqu'un d'autre. On peut avoir des a priori, on peut avoir des sentiments où on se dit cette personne réagit ainsi parce qu'elle est telle quelle, sauf que la vérité fait que très souvent on se trompe sur l'ensemble des choses. C'est compliqué de se mettre à la place d'une personne. Plus on va essayer, plus on va se rendre compte que c'est complexe, que c'est difficile, que ça prend la tête, et des fois, la réflexion fait que on n'a pas envie de perdre notre temps pour se dire, je vais me mettre à sa place. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très dur. C'est quelque chose que j'essaye de faire depuis très longtemps, que j'ai un petit peu d'expérience et c'est pour ça que je peux le dire, c'est chiant. C'est si chiant de devoir se mettre à la place des autres. Parce que devoir se mettre à la place des autres, c'est essayer de se dire, j'ai pas son passif, mais il faut que j'essaye de comprendre pourquoi il a dit ça ainsi, pourquoi il a eu telle réaction. Pas comprendre. Et comme j'ai pas le vécu, je peux pas comprendre à 100%. Oui. Le truc, c'est que le vécu fait tout. Le vécu fait tout et en même temps fait pas totalement la chose. J'ai dit tout à l'heure que l'expérience était très bien. Mais l'expérience, c'est aussi la façon dont on va l'interpréter. Ça fait beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Pour comprendre quelqu'un. Déjà que se comprendre soi-même, c'est une expérience longue, difficile et d'un compliqué. Essayer de comprendre les autres, quand on n'a pas son passif, quand on n'a pas forcément les réactions dans sa tête, quand on n'a pas forcément l'attitude que cette personne a, c'est d'un bien plus compliqué. On peut impacter les autres, c'est vrai. Les autres peuvent nous impacter. L'inverse, logiquement, est vrai aussi. On peut choisir quel est le niveau d'impact qu'on va avoir sur les autres. On peut choisir quel est le niveau d'impact que les autres vont avoir sur soi. Ça fait beaucoup de phrases très difficiles pour un dimanche matin, j'en suis désolé. J'essaye d'expliquer au mieux, mais même en essayant d'expliquer de manière. En essayant d'être le plus clair possible, ça reste parfois dur pour la tête. C'est pour ça que je me dis, essayer de comprendre sur les gens sur les réseaux, c'est pas possible. Pour le moment, c'est pas le niveau du faisable. Car de un, de base, la personne
essayer de comprendre la personne quand tu lui parles. C'est pas forcément, t'as pas forcément tous les clés pour comprendre ce qu'elle dit. Alors que sur les réseaux, sachant qu'en plus, il n'y a pas le passif, il n'y a pas toute sa réflexion, il n'y a que la conclusion de sa réflexion, ça ne peut amener qu'à des problèmes. Et puis surtout, il y a aussi un autre problème. Il y a aussi d'autres problèmes. Le fait que... Quelqu'un qui a posé... C'est compliqué. Oui. Mais essaye de savoir pourquoi cette personne refuse de parler. Essaye de te dire pourquoi cette personne refuse de te parler. Il y a des raisons aussi. Parfois pas justifiées. Parfois par l'ego. Parce que l'ego, c'est avoir du mal à se dire j'ai eu tort. Se dire qu'on a eu tort ou qu'on a eu raison, c'est tout un art. Se dire qu'on a des choses à apprendre, c'est tout un art. La vie en général est tout un art. Je fais souvent le con en live. J'essaye des trucs. Je taquine les gens, que ce soit sur les réseaux, par message. J'apporte des conseils. J'ai fait des erreurs. Ah, des erreurs, mais catastrophiques. J'ai fait des trucs, je sais que jamais je les referai. Il y a des trucs que j'ai fait en erreur qui datent d'il y a quelques années, d'il y a 2 ans, grand max. Il y a d'autres choses, je me dis, j'ai bien fait de faire ça. Ça m'a apporté une expérience. Mais les erreurs que j'ai faites aussi, ça a été une expérience. Une expérience à ne pas reproduire, comme les expériences en chimie, mais une expérience. Une expérience que j'ai pu apporter aux autres en leur disant, ne fais pas ça, ça ne va rien t'apporter. J'ai en tête un exemple très flagrant. Je suis étudiant. Je suis en dernière année de licence et je dois faire des stages. Il me vient l'idée de faire un stage dans l'association dont je suis le président. Bon, on pourrait se dire, ça peut se faire. C'était pendant le Covid, il y a des raisons. J'ai décidé d'aller plus loin dans ma connerie. Enfin, plus loin dans cette idée. Je me suis dit, faire un stage dans son asso, c'est possible? Est-ce que faire un stage en étant son propre maître de stage, c'est possible? La réponse est oui, mais je ne vous le conseille pas. Niveau direction, vous partez un petit peu dans tous les sens. Niveau motivation, vous ne savez pas ce que ça va donner. C'était très drôle à faire, je vais pas le nier. J'ai pu profiter pour faire la fameuse arnaque, oui. J'ai pu profiter pour en faire des choses. J'ai pu profiter d'être mon propre maître de stage pour faire le con. Je dis pas le contraire. Au niveau expérience, ça m'a apporté une chose. Si l'idée paraît bonne, peut-être s'y replonger à deux fois pour se dire est-ce que cette idée est vraiment bonne? J'avais fait ce stage pour me dire jusqu'à quel point ça peut être accepté en période compliquée. La fac a accepté. Étonnamment, la fac a accepté. Pourtant, il y avait 3 fois ma signature sur le document. Ça aurait dû peut-être les mettre sur la piste. Et pourtant, aujourd'hui, quand les autres me demandent mon stage et que je leur explique, je leur dis,
Ne le faites pas. Ça peut être très drôle, ça peut être un temps incroyable pour soi, mais au niveau expérience professionnelle, expérience dans le domaine que tu étudies, compliqué. Compliqué, hein, franchement, j'ai très peu appris sur cette période. Je vais maintenant vous parler d'autres erreurs que j'ai faites. Celle-là, j'en ai jamais parlé en live. Et celle-là, j'en ai même probablement jamais parlé à beaucoup. Fin du collège. Je fais un voyage en Espagne avec des gens de mon collège, évidemment. C'est un voyage scolaire, tout ce qu'il y a de plus basique. On est répartis en groupe chez des familles dans le sud de l'Espagne. Je vis mal la température espagnole. On était sur une fin d'année, il faisait ultra chaud, je dormais peu. Le voyage se déroule. Et le truc, c'est que tout au long de l'année, j'avais eu un crush sur une fille. Et il y avait une personne qui était très proche d'elle. Mais leur relation, j'arrivais pas à la discerner. J'arrivais pas à savoir si c'était de l'amitié parce qu'ils se connaissaient depuis longtemps, ou s'il y avait autre chose. Et durant le voyage, en fait, j'ai agi sous le coup de la colère. Parce que cette personne m'avait cherché un petit peu, parce que j'ai mal compris. J'arrive même plus à savoir pourquoi je l'ai fait. Je sais juste que sur le coup, j'étais énervé. J'ai agi sous le coup de l'impulsion et j'ai étranglé la personne. C'est mal. J'ai vraiment... Là, comme ça, le dire comme ça peut paraître idiot, mais c'est mal. J'ai étranglé la personne. Elle est toujours vivante. Et je l'ai étranglée pendant quelques instants, mais elle n'a pas réagi. Sur le coup, j'avais juste une colère. Juste une colère sourde en moi. Et j'arrivais pas à me dire autre chose que... Pourquoi j'étais juste en colère. Et cette personne, vraiment, pourtant, j'étais le genre discret, hein, j'étais vraiment le parfait stéréotype de l'intello discret qui se fait pas trop remarquer. Mais là, j'ai pété un câble. J'ai étrangler la personne alors qu'elle était plus grande, qu'elle faisait du sport, mais sur le coup, elle n'a pas réagi. Sur le coup, elle s'est pas débattue. Je l'ai étranglée pendant quelques secondes et je l'ai relâchée. Et je suis parti. Je suis parti dans la ville après, sous le coup de l'émotion. Je pleurais. Vous savez, le pire, c'est que cette expérience, j'en ai fait un petit peu le fier après. Parce que, après, les gens m'ont regardé autrement. Et je me suis dit, on va arrêter de me prendre pour un idiot. Et en même temps, maintenant, je me dis, c'était tellement une connerie de penser ça comme ça. Même si ça a pu en impressionner certains. Ça a fait peur à tellement d'autres. J'ai dû passer pour un fou. C'est des choses qui peuvent surprendre. Surtout venant de ma part. J'ai l'air ultra calme. Mais je fais des erreurs. Je peux agir sous le coup de l'émotion. J'essaye de le faire de moins en moins. Mais c'est compliqué. Il y a parfois des sujets où vraiment j'ai envie d'exploser. J'ai envie de soit de frapper la personne, soit de régler la situation moi-même parce que je vois que la violence pour ça. Et pourtant, d'un autre côté, je me dis, ok, mais si tu règles ça par la violence, il va se passer quoi après? Cette anecdote, j'en ai jamais parlé. On fait tous des erreurs, c'est vrai. Il faut du temps pour comprendre qu'on fait des erreurs.
Il faut du temps pour comprendre pourquoi on a fait ces erreurs et comment on peut changer ça. Communiquer aussi sur ces erreurs, c'est important. Je vous ai pas passé des détails parce que je les ai plus forcément en tête. Il y a plein de petites erreurs qu'on fait dans la vie de tous les jours. Une fois, c'est pas grave, c'est de l'expérience. Deux fois, trois fois, c'est tout un apprentissage. Mais des fois, on fait une erreur sans se dire qu'on fait une erreur. Des fois, on peut être content du résultat, alors qu'au final, on n'a pas aidé la personne. Je vais prendre un autre exemple. J'ai voulu aider une personne dans son couple. Et pour ça, je suis allé directement parler avec l'autre partie. La discussion était longue, il y a eu beaucoup de développement. Et au final, la relation a quand même éclaté. Parce que il s'est passé des choses, parce que le mental ne suivait pas. Et pourtant, sur le coup, je me disais que j'avais fait une bonne action. Je m'étais dit, j'ai aidé un couple parce qu'on me l'a demandé. Il ne faut pas forcément apporter son aide. Il faut faire en sorte que la personne comprenne pourquoi il y a des problèmes. C'est difficile d'accepter qu'il y a des solutions. C'est difficile d'accepter qu'on a des soucis. C'est difficile de demander de l'aide. Mais c'est en demandant d'autres visions, d'autres avis, qu'on peut se dire, ok, ça se passe pas forcément comme ça, c'est pas la meilleure des relations, faut peut-être changer. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette histoire date d'il y a maintenant 3 ans. Ce que je viens de raconter date d'il y a 3 ans. Et pourtant, cette anecdote, le fait que j'ai aidé un couple en m'impliquant un petit peu trop dans leur vie, je l'ai encore fait récemment. Et c'est après coup que je me suis dit, mais c'était une erreur. C'est difficile d'accepter qu'on fait des erreurs. C'est difficile de se dire, il ne faut pas répéter ces erreurs. Parce que parfois on oublie, tout simplement. Parfois, on oublie qu'on a fait déjà cette expérience et que ça a terminé avec tel résultat. Parfois, les gens ont besoin d'aide, c'est vrai. Parfois, les gens ont juste besoin d'un autre avis. Comprendre que chaque personne peut évoluer, que chaque personne change à la seconde, que tout événement peut impacter les gens différemment. C'est compliqué, mais c'est montrer à tout le monde que c'est aussi ça être humain. C'est montrer que une évolution, si elle se fait, il y aura forcément des retours. Il y aura forcément des conséquences. Les regrets, c'est quelque chose que je suis à moitié, dont je suis à moitié content que ça existe et en même temps, ça a mal été expliqué. Un regret, c'est une action qu'on a fait et que dont les conséquences, on ne les accepte pas. Les conséquences, on se dit, c'était une mauvaise idée. Un regret, c'est parfois trop se concentrer sur cette erreur et se dire, j'aurais dû faire ça autrement. C'est culpabiliser sur les choix qu'on a faits. Pourtant, une erreur, ça permet d'en apprendre plus sur soi.
Ça permet d'en apprendre plus sur comment réagir. Mon credo, c'est si je décide de quelque chose, je ne reviendrai pas là-dessus après. La première relation que j'ai eue, elle s'est terminée parce que la personne me tapait pour rigoler en public, qu'elle avait beaucoup d'exigences et que de mon côté, je me laissais bouffer. J'aurais dû, quand j'étais en couple, agir plus vite, en parler avec la personne. Mais c'était compliqué. Et du coup, on est resté un temps ensemble. 4 mois. Au bout de 2 mois déjà, je cherchais à fuir un petit peu, à essayer de trouver des astuces pour pas passer tout mon temps avec elle, alors que elle désirait passer son temps avec moi. Et de l'autre côté, quand on était ensemble au lycée, j'essayais d'être à peu près ok. J'essayais des choses et cette personne montrait son affection, évidemment, de plein des manières. Et elle me frappait aussi un petit peu pour rigoler, ce genre de choses. Un moment, j'en ai eu marre. J'ai attendu que le bac se finisse pour rompre avec cette personne. Et c'est ce que je me suis dit. Si je romps avec cette personne, je ne me remettrai pas avec. J'ai tenté l'expérience une fois. Je vois ce que ça a donné. Mais là tout de suite, si je me remets avec elle, c'est me dire que j'aurais pas appris de mes erreurs. J'ai rompu avec la personne. Je lui ai dit que je préférais qu'on reste amis, mais que je ne nous voyais pas en couple. Je me suis pris une claque pour ça. Je l'ai fait d'une façon qui était possiblement dégueulasse. Hein. Je ne l'ai pas forcément fait de la meilleure des manières. Hein. En stream, j'arrive à bien parler. IRL, des fois, ma pensée n'est pas complète. Je fais des choses qui sont parfois incohérentes. C'est normal. Cette personne, quand je l'ai quittée, du coup m'a claqué, m'a giflé et m'a insulté pendant un temps. Et puis, quand je lui ai dit que on continuait quand même à parler hein, à travers une amie, et quand je lui ai dit que je lui avais dit qu'on préférait rester amis, elle m'a dit, je l'avais pas entendu ça. Oui, parce que sous le coup des émotions, on n'entend pas forcément tout, on ne comprend pas forcément tout. Et puis, on est resté amis pendant un temps. Et elle nous a parlé, l'ami qui faisait le lien, l'ami qui avait fait le lien, et elle, on parlait. On essayait de se voir de temps en temps. J'ai d'ailleurs passé un nouvel an, mais foireux, en boîte de nuit. Parce que je me disais, ouais, ça peut être cool. La pire idée de ma vie, ça, c'est vraiment la pire erreur. Les boîtes de nuit, c'est pas fait pour moi. Mais voilà, pendant un temps, on a discuté. Et la personne avec qui, donc mon ex, elle nous racontait ses aventures avec d'autres personnes. Elle nous demandait de l'aide. Et puis au bout d'un moment, elle a essayé de se mettre en relation sérieuse. Sauf que, comme elle avait eu beaucoup d'aventures, elle faisait beaucoup d'erreurs. Et elle était parfois, elle voyait plusieurs personnes en même temps, bref, c'est sa vie. Un moment, on lui a dit qu'elle abusait. Un moment, on lui a dit, ouais, mais arrête de faire ça si tu veux être vraiment avec quelqu'un. Et puis, on a commencé à se redisputer. On a commencé à s'engueuler sur plein de choses. Pas que moi, hein, on s'engueulait beaucoup, mon ami qui a faisait lien, moi, contre mon ex.
C'était une situation qui était compliquée. Et puis un moment, je lui ai dit, écoute, j'en ai marre de tes réactions. J'en ai marre de voir que tu ne prends pas en compte ce qu'on te dit. J'en ai marre que tu fasses ta drama queen par moment. Donc je vais arrêter de te parler. J'ai reçu d'autres insultes. Mais j'ai bloqué la personne. J'ai arrêté d'être ami avec la personne. Du jour au Enfin, pas du jour au lendemain. Mais progressivement, je faisais en sorte de ne plus m'occuper de cette personne. Les relations, c'est très compliqué. Je peux vous donner des conseils, mais je suis pas forcément le meilleur exemple. J'ai vécu des choses qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Vous avez vécu des choses qui font que vous en êtes là aujourd'hui. Chacun a sa façon de faire. Chacun a son vécu, son histoire. C'est particulier, dit comme ça. J'ai fait des erreurs, même dans la façon dont j'ai eu de la quitter, même dans la façon dont je lui ai parlé par moments. J'ai fait des erreurs avec mon ex, vraiment. Mais vous voulez savoir le pire? C'est que mon ex, du coup, était, après qu'on ait rompu, mon ex était quand même prête à ce qu'on se remette ensemble. Moi, je me disais toujours, t'as décidé de faire ce choix, tu respectes ce choix jusqu'au bout. Au bout de quelques années, j'en entends plus parler. Vraiment, j'ai plus, quasiment plus d'interaction avec cette personne. Et pourtant, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, je me mettrais avec cette personne si elle a changé? Je sais pas. Parce que si elle a changé, ça veut dire qu'elle a une autre façon de penser. Qu'il faut que je redécouvre cette personne. Les gens peuvent changer. Surprenamment, les gens ne restent pas tels qu'ils sont toute leur vie. Il leur arrive des choses qui font que ils vont peut-être changer leur avis sur au moins une opinion. Ils vont peut-être s'informer sur au moins une idée, sur une opinion, sur un événement qui fait que ça va changer ce qu'ils ont de la vision du monde. Voilà. Ça fait environ 2 heures que je parle avec vous et que j'ai raconté beaucoup de choses. Si maintenant vous avez besoin de discuter de choses, n'hésitez pas. C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions de ma part. Ça fait beaucoup de parlotte, parfois pas compréhensible pour un dimanche matin, je le reconnais. Les gens se réveillent parfois le dimanche matin complètement dans les vapes. Mais voilà, si vous avez une question, si vous avez un avis que vous ne comprenez pas, que vous n'avez jamais compris, essayez de le dire là. Essayez de poser la question de « je n'ai jamais compris pourquoi ». Et on va essayer ensemble de réfléchir à pourquoi les gens ont eu telle réflexion. Je sais, par contre, je suis très chiant à ce niveau-là, c'est que je vais vous poser très souvent la question de pourquoi. La question de pourquoi, on l'entend très souvent quand on est gamin. C'est une question qui permet d'en savoir plus sur le monde. Mais des fois, mais au bout d'un moment, on s'arrête de la poser. Et je me dis, on devrait quand même continuer à se la poser. Donc, le fait de vouloir aider tout le monde avant de s'aider soi, vas-y. Il y en a qui veulent aider tout le monde parce qu'ils se disent, c'est un bon moyen de parler de ma valeur, de dire que je suis important. Pourquoi ils pensent ça? Parce que dans leur vie, ils se trouvent pas assez importants. Ils veulent compter pour quelqu'un. Pour d'autres, aider les autres avant de s'aider soi, c'est
J'ai même pas compris. Aider les autres avant de céder soi, c'est aussi un moyen d'expier ses fautes. D'expier ses fautes sur des actions passées. Je vais répéter parce que je sens que j'ai absolument perdu tout le monde. Et je pense que je suis parti déjà dans le trop philosophique. Alors, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, une réaction, une attitude que vous n'avez jamais compris, venez qu'on tape la discute dessus. Venez qu'on se dise pourquoi il y a eu cette réflexion. Et là, Psycho a dit pourquoi les gens cherchent à aider tout le monde avant de s'aider soi. Et j'ai évoqué le premier fait. C'était que pour certains, dans la vie de tous les jours, ils trouvent qu'ils ne comptent pas assez pour des personnes. Ils trouvent qu'il n'y a, y a pas assez de personnes qui pensent que, qui sont importants à leurs yeux. Ils pensent qu'ils sont importants pour personne et du coup, ils ont besoin de prouver que aider les autres, ça peut les faire, ça peut les aider à compter quelque part. Pour d'autres, c'est expier des fautes qu'ils ont commises dans leur histoire. Expier des fautes qui n'impactent pas forcément les personnes. Aider les pers des personnes complètement étrangères à ce qu'ils ont fait comme erreur. Je vais prendre, je ne veux pas prendre d'exemple, mais juste aider des personnes qui ne sont pas impliquées par les erreurs qu'on a commises. C'est ok, mais pourquoi on n'arrive pas à surpasser ces erreurs qu'on a commises dans le passé? Pourquoi? Chercher à savoir pourquoi cette personne n'arrive pas à passer outre. Ce sera déjà peut-être un premier pas pour comprendre comment cette personne peut avancer. Alors si je dis des choses qui ne vont pas plaire aux gens, au moins vous allez écouter. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà un premier pas dans le fait d'accepter cette idée, ce message. Je vais dire des choses, les gens vont probablement s'énerver parce que soit il y a un fond de vérité, et très souvent la vérité fait mal. Fait très mal. Ou alors, le message, on se dit que c'est pas comme ça que je l'aurais dit, c'est pas pour ça. Alors si c'est pas pour ça, c'est pourquoi? Pourquoi le message que j'ai dit là, pour l'instant, vous l'acceptez pas? Moi, j'aide les autres avant de m'aider moi-même, tout simplement parce que j'aimerais qu'on le fasse de même avec moi. Ok. Vouloir aider les autres pour s'attendre ensuite à ce qu'on soit aidé, c'est bien et en même temps pas bien. Homéo, je vais te dire quelque chose qui ne va pas te plaire, mais si tu as besoin d'aide, demande-la. Si tu as besoin d'aide, il faut être celui qui exprime la demande. C'est dur, c'est très dur de demander de l'aide. Ça réduit ton ego à néant, ça te met en état de fragilité face aux autres. Ça montre qu'il y a une situation que tu n'as pas su gérer. Et du coup, tu vas avoir du mal à accepter que des gens puissent venir sur cette situation et te dire, Ok, je peux t'apporter mon aide. C'est compliqué de demander de l'aide. C'est très compliqué. Ne pas avoir sa propre valeur, ne pas s'aimer, vouloir aider les autres pour qu'ils ne pensent pas ce genre de choses. Ça revient à ce que j'avais dit au départ. On veut aider une personne pour compter un petit peu chez quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'arrive pas à trouver de la valeur en soi. Parce qu'on a un vécu qui fait que notre ego est totalement détruit. Avoir de l'ego, c'est bien. Ne pas avoir d'ego, c'est
une très mauvaise chose. On n'arrive pas à voir dans quel état on est. On n'arrive pas à demander de l'aide. Ne pas avoir d'ego, c'est vraiment se mettre en danger. Avoir trop d'ego, c'est se mettre en danger. Oh, les extrêmes, incroyable! Les extrêmes se rejoignent. C'est en fait un putain de cercle. C'est un putain de cercle. Trouver le juste milieu dans sa valeur, trouver quelle est la quantité d'ego qu'on a, qu'il faut avoir dans la vie, c'est compliqué. Les gens sont importants, mais vous l'êtes tout autant. La santé mentale, comme je le disais, c'est se mettre au même niveau que les autres. Chaque humain est différent et pourtant chaque humain compte. Il y a des humains qui font des conneries monstrueuses. Il y a des humains qui sont mis en avant. Pourtant, vous avez la même valeur qu'eux. Il y a des humains qui sont dans une détresse insoutenable. Pourtant, vous avez la même valeur qu'eux. C'est dur d'accepter hein, que tout le monde a le même, que tout le monde est humain au final. Tout le monde a ses forces, ses faiblesses. Tout le monde a ses. Tout le monde a ses avantages, ses inconvénients. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Je vais lire un peu plus le chat parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont importantes. Et c'est pour ça que ce live aussi est fait, c'est que ce genre de discussion est nécessaire. Donc, comme je le disais, on a la même valeur, tout le monde. On ne compte pas plus ou moins que quelqu'un d'autre. La vision qu'on a de nous est biaisée, ça c'est sûr. Mais il faut savoir qu'on a des points forts. Il faut savoir qu'on a des points faibles. J'ai des points faibles, ça c'est sûr. Niveau communication, niveau énergie que je mets dans chaque chose que je fais, c'est pas constant. Je suis tellement irrégulier. Niveau études, je me déteste. Niveau études, je me déteste. Parce que je sais qu'il y a toujours plus d'efforts que je pourrais faire. Parce que je me mets en comparaison avec plein d'autres. Parce que d'un autre côté aussi, je cherche des excuses sur mes études parce que je les aime pas. Parce que je me dis, ouais, mais ça, on ne l'apprend plus. Il y a tellement de choses que je regrette en moi que j'essaye d'avancer, mais je me dis, c'est mon point faible. Et en point fort, j'ai autre chose. Le fait de pouvoir discuter avec les gens, pouvoir faire en sorte qu'ils s'expriment sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils vivent. Chercher à toujours comprendre pourquoi. Pas chercher à cacher mes émotions, non. Chercher juste à ne pas m'énerver tout de suite pour essayer de mieux comprendre la situation. C'est dur. Et ça, c'est parce que c'est mon passif. Vous avez des passifs totalement différents. Dans tous les cas, il ne faut pas se comparer aux autres. Oui, on n'a pas le même bagage et ce bagage change tout. Oui, Yunera, oui. Se comparer aux autres, c'est inutile. Parce que au final, on ne fait pas les mêmes choses. On ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr aussi. Il y en a qui vont nous trouver trop hypocrites, il y en a qui vont nous trouver tout à fait discrets, qui vont nous trouver pas assez marquants, qui vont nous dire mets-toi plus en avant. Mais c'est. De toute façon, c'est leur vision des choses. Faire un pas en avant, peu importe qui tu es, avancer dans ta mentalité, évoluer, changer pour ce que tu penses être le mieux, c'est une très bonne chose.
Si vous avez du mal, c'est normal. Sortir de sa zone de confort, c'est une galère, c'est monstrueux. Mais une fois que ce pied est posé en dehors de cette zone de confiance, on peut découvrir tellement de trucs. On peut découvrir tellement de points. On se dit, final, si j'avais jamais fait ce pas, je l'aurais jamais découvert. J'aurais jamais fait cette découverte qui peut changer ma vision à tout jamais. Si je n'avais jamais fait d'événement pour mon association, si je n'étais jamais entré dans mon association étudiante il y a quelques années, je n'aurais jamais fait de live à ce jour. J'en aurais peut-être regardé. Ce premier pas est toujours difficile. Que ce soit dans les actions qu'on entreprend pour soi-même ou pour communiquer avec les autres. Si vous êtes disputé avec quelqu'un il y a longtemps, très longtemps, que vous ne vous parlez plus depuis, envoyez-lui un message pour lui dire « Écoute, à l'époque, je pensais telle et telle chose. Il y a telle chose, ça n'a pas changé. Je suis toujours un petit peu là-dessus. Mais j'ai quand même envie de rediscuter avec toi. Parce que j'aimais quand même nos interactions. » Accepter qu'on s'est trompé dans une relation avec quelqu'un, c'est dur aussi. Mais accepter de faire le premier pas pour soit vous réunir à nouveau, soit rediscuter ensemble, soit vous dire, écoute, là tout de suite c'est plus possible. Si vous avez la possibilité, faites-le. Et vous verrez, ce premier pas tendu, beaucoup l'attendent. Homéo l'attend. Homéo veut qu'on l'aide. Il faut qu'il demande de l'aide. Le premier pas est monstrueux. Ça a l'air d'être un pas de géant. Mais parfois, c'est juste avancer d'un centimètre dans la vie. Et juste un centimètre peut changer tellement de choses. Tellement de choses. Vous pouvez louper tellement de situations incroyables, tellement de bons moments. C'est une expérience à vivre. C'est quelque chose de difficile. Mais faire des petits pas au début, ça peut vous donner plus de confiance en vous. Ça peut vous dire, j'ai pu faire ce premier pas, pourquoi je pourrais pas en faire d'autres? Et vous verrez, au bout d'un moment, votre zone de confiance aura grandi, parce que vous aurez pris l'habitude, parce que vous aurez testé de nouveaux trucs. Avant, votre zone de confort, votre zone de confiance, elle pouvait se limiter à votre chambre et à certaines personnes. Et si vous faites ce pas vers d'autres personnes que vous ne connaissez pas, avec qui vous vous êtes disputé, si vous tentez de nouveaux trucs, au bout d'un moment, cette zone de confiance augmentera à votre maison, puis à votre rue, puis à votre ville, votre pays. Et puis, au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que, ben en fait, j'arrive à être confiant partout. J'arrive à maîtriser cette situation. J'arrive parce que j'ai fait ce pas. J'ai rencontré des personnes. Il y en a avec qui je discute peu, que j'ai fait une rencontre, qui m'a marqué sur le coup, mais que plus tard, j'oublierai peut-être. Mais il y a d'autres personnes, si on ne les rencontre pas, on peut louper quelque chose de vital. On peut louper quelque chose qui peut changer à tout jamais votre vision de la vie. J'ai longtemps, très 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 longtemps, été ultra timide.
Mes années de streaming ne montrent absolument ne montrent absolument pas ça. J'étais timide jusqu'à la fin du lycée, voire même un petit peu début de la fac. J'ai eu tellement de mal à discuter avec des gens. J'ai eu tellement de mal à m'inclure dans des groupes. J'ai eu tellement de mal à me dire, ok, j'appartiens à tel ou tel groupe. Et pourtant, je me dis qu'au final, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que je me suis inclus dans aucun groupe. Et pourtant, ça m'a permis d'en découvrir plein à la fois. Je suis parti sur un nombre d'activités. La première année de ma fac, je suis allé faire le con dans tellement d'autres endroits aussi en même temps. Bon courage à ceux qui tiennent. Comment ça, Kata? J'essaye de donner des leçons de vie qui peuvent aider les gens. Et merci en tout cas. Et puis, si Kata, tu as retenu au moins quelque chose de ce live, ce serait une très bonne nouvelle. Si tu as retenu des détails qui te semblent importants, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, tu as fait l'effort de m'écouter durant tout ce live, durant plus de 2 heures. Et ça, déjà, merci. C'est un premier pas pour certains. Écouter de ce que d'autres ont pu dire. Après, les appliquer, c'est un autre pas. Et puis, ça fera déjà 2 pas. Et puis, pas sûr que je change. Oui, mais pas sûr que tu ne gardes ça en tête. Ça te trottera forcément dans la tête. Parce que tu te diras, ah oui, il en a parlé. Ah oui. Et j'ai fait mon max. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Porte-toi bien, Kata, et à une prochaine fois dans ce cas. Mais ouais, j'ai découvert des groupes, j'ai découvert des choses différentes. J'étais ultra timide. L'année de ma fac, je me suis un petit peu lâché, hein, bien évidemment. Parce que l'année de ma fac, je me suis dit, je suis enfin adulte, je peux enfin découvrir des choses. Donc, je suis allé assister à des cours dans d'autres licences. C'est débile. Et aller découvrir des cours dans d'autres licences, ça m'a permis de découvrir d'autres visions. Ça m'a permis de découvrir de nouvelles personnes. C'est absurde. Mais ça m'a aider un petit peu à aller là où j'en suis. Entrer dans mon association aussi, étudiante à l'époque, c'est quelque chose qui m'a changé. Parce qu'au début, j'étais quelqu'un, c'était une association manga jeux de société, évidemment. Hein, je suis un putain de weeb. Regardez qui vous avez à l'écran. Je le reconnais, je le revendique et ça me fait marrer à chaque fois. Mais je suis rentré dans cette association parce que le thème me plaisait beaucoup, parce que ça avait l'air fun. J'ai fait beaucoup d'activités avec eux, j'ai fait des soirées. J'ai goûté d'ailleurs une bière durant l'une des soirées que je veux regoûter aujourd'hui. Et puis, le bureau a changé. Au départ, j'étais simplement. Et puis, je me suis beaucoup impliqué, très vite, vraiment très très vite. Et alors que, quand on est nouveau dans cet asso, on ne doit pas être surveillant, on ne doit pas être quelqu'un de confiance de cette association, au bout de 6 mois, parce que je m'étais beaucoup impliqué, je suis devenu quelqu'un qui faisait partie des personnes de confiance de cet asso. L'année suivante, le bureau a changé. Je suis devenu vice-trésorier. Au bout de 2 ans, hein, vraiment, j'ai commencé la deuxième année en étant vice-trésorier. Ça n'a aucun putain de rapport. La vitesse à laquelle je suis allé, c'est pas Fast and Furious. Là, c'est le niveau au-dessus. Mais pourtant, ça m'a aidé à discuter avec les gens, à préparer des choses. J'ai préparé des événements,
des événements sur tout un campus. J'ai préparé un escape game. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé des activités, j'ai tenu des comptes. J'ai fait en sorte que l'assaut s'améliore. N'y avait pas assez de fonds pour faire des détournements de fonds. Ça, c'est mon seul regret, bien évidemment. Et puis, vous savez, je suis devenu vice-trésorier. L'année suivante, je suis passé président de cet asso. Et cette année-là, c'était le début du Covid. Je suis devenu président de l'asso. 4 mois plus tard, le Covid commençait et les confinements commençaient. Comment vous dire que j'ai beaucoup apprécié mon temps en tant que président. Niveau activité, toutes les idées que j'avais eues, bah, je pouvais plus les faire. J'ai dû adapter beaucoup de choses. J'ai pu améliorer des choses, faire de nouveaux réseaux. Je discutais beaucoup avec les autres associations. Là où pendant un temps, ça ne se faisait pas dans ma fac. Ça se faisait, ça ne s'est plus fait. Et puis avec moi, ça s'est refait. Et avec l'aide d'autres personnes aussi. D'autres personnes qui ne faisaient pas forcément partie de mon asso. On a recommencé à discuter entre assos. On a recommencé à discuter plus centrement. J'essayais de prévoir des choses. Je me suis aussi énervé contre des personnes, hein. Je trouvais que les personnes ne faisaient pas d'efforts, qu'elles étaient juste là pour faire beau, parce que elles en foutaient pas une. Je forçais les gens à aller en cours, et puis au bout d'un moment j'ai arrêté, parce que je l'avais dit trop de fois et que ces personnes ne suivaient pas ce conseil. Notamment une personne qui a fait cette fois, c'est elle. Elle était dans l'assaut, elle prenait son temps, elle validait pas forcément ses matières. Elle a validé sa L1 pendant les années Covid, parce que c'était plus facile. Elle est passée en L2. Elle a fait une L2, je crois, cette personne. Et elle a arrêté. Il y a des erreurs qui peuvent être longues à être comprises. Faut pas trop s'obstiner des fois, vraiment. C'est compliqué. Mais pour en revenir à la question principale, c'est que s'aider soi-même, c'est dur. C'est parfois plus simple pour d'apporter une vision extérieure à quelqu'un d'autre que de se dire, il faut que j'apporte une vision objective à moi-même. Parce que j'ai forcément des situations où j'ai envie de me dire, mais ça, c'est parce qu'il y avait ça. Oui, mais non, pas forcément. Il y a peut-être des situations où tu pouvais réagir autrement. Il y a peut-être des situations où on pouvait réagir autrement. Et faire ce premier pas. Ce premier pas, admettre qu'on s'est trompé. Admettre qu'il y a eu des erreurs de commise. Admettre qu'on a aussi fait des bons trucs des fois. C'est humain. C'est ce qu'on est. On est unique et pourtant on se ressemble tous. J'ai fait ce live parce que la santé mentale est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. La santé mentale, je pensais avoir une santé mentale de merde. Et c'est en discutant avec des gens hier soir que je me suis rendu compte qu'au final, je gérais très bien ma santé mentale. Et c'est peut-être vrai ou pas. Il y a peut-être encore des choses où je me dis même pas, il faut que j'admette que j'ai tort. Il y a peut-être des choses où je sais que il faut que ça change, mais j'ai pas la force encore. Ou j'ai pas l'énergie.
ou j'ai juste pas envie. Il y a tellement de trucs où je peux me dire, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais j'ai peut-être de la motivation. J'ai peut-être fait des choses dans ma vie qui font que on m'apportera de l'aide. Mais j'ai peut-être fait aussi des choses dans ma vie qui font que on peut me détester pour ce que je fais, pour ce que j'ai dit, pour ce que je suis, pour ce que j'ai été. L'humain change constamment. L'humain évolue. Parfois en bien, parfois en mal. Parfois en bien, en mal. Ça dépend des personnes, de comment ils le voient. Une vision n'est jamais unique. Le bagage est totalement différent. Même pour des jumeaux, hein. Même pour des triplés. C'est à ce niveau-là qu'on peut se dire que chaque humain est vraiment unique, même s'il se ressemble. On a des choses qui nous lient, et pourtant, on a des choses qui nous séparent, beaucoup. Notre expérience. Notre expérience, nos idées, nos a priori. Tellement de choses qui peuvent nous séparer, mais tellement de choses aussi où on peut essayer de se poser la question. Pourquoi il pose et se dit ça comme ça? Akil, dans la vie, tout le monde a tort et tout le monde a raison en même temps. Ça dépend du point de vue. Le point de vue, il est complètement différent. Le point de vue, selon la personne, tu pourras avoir tort comme tu pourras avoir raison. Faut pas chercher à savoir qui a tort. Faut chercher à savoir pourquoi la personne pense ainsi. C'est plus dur. C'est vraiment plus dur. Mais si tu commences à poser la question, peut-être que vous arriverez à un consensus. En disant, ouais, cette personne avait raison, ou bien j'avais raison. Ou peut-être vous arriverez à un consensus. En fait, on avait tort tous les deux. Et au final, on aurait dû penser tel quel. Mais c'est dur. Il faut vouloir faire ce pas. Il faut vouloir se dire, je peux, il faut à tout moment se dire, il faut que je remette en question ce que j'ai appris. Vous avez remis en question plusieurs fois pas mal de choses. Je commençais tout simplement par les chiffres. À l'école primaire, on nous a appris qu'il n'y avait que des chiffres qui allaient de 0 jusqu'à 10, puis 0 jusqu'à 100, puis 0 jusqu'à un nombre infini. Au collège puis au lycée, on vous a appris qu'il y avait des nombres qui partaient dans le négatif, des nombres qui étaient en dessous de 0. Et des nombres qui fonctionnaient de la même manière, mais inversés. Au lycée, puis en licence, on vous a appris qu'il y avait des nombres qui n'avaient même pas de réelle solidité, des nombres imaginaires, parce que ils ont des propriétés qui correspondent pas aux chiffres auxquels on a l'habitude d'effectuer nos calculs. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qui peuvent être remises en question. Mais remettre en question, c'est admettre que ce qu'on a appris, c'était pas forcément bon. C'est admettre qu'on peut toujours apprendre. C'est compliqué. C'est très compliqué. Votre ego n'acceptera peut-être pas souvent que vous avez tort, que vous avez quelque chose à apprendre de nouveau. Mais si un jour vous apprenez quelque chose de nouveau, est-ce que ça changera pas votre vision du monde? Je pense que j'en ai fini là, j'ai fini mon monologue,
J'ai fini d'évoquer tout ce que j'avais à évoquer. Je ferai peut-être d'autres lives sans occasion particulière. Là, je me suis dit que l'occasion était trop belle. Le fait que c'était le Téléthon, qu'on parlait des maladies visibles, des maladies rares visibles, et aussi les maladies rares invisibles. La santé mentale, ça peut engendrer des maladies, parce que si vous en prenez pas soin, ça peut vous mettre dans un état pas visible, mais aussi désastreux. La santé mentale, c'est pas une jauge qu'on voit au quotidien. C'est quelque chose que l'on ressent. Et c'est bon, des fois, de prendre le temps de savoir où on en est exactement. J'ai fait ce live parce que c'était le Téléthon, parce que c'était quelque chose d'important. Je voulais faire ça depuis un petit moment, mais je me disais, faut que je lance ça pour une occasion spéciale. Donc voilà, l'occasion spéciale est lancée. Je ferai peut-être d'autres lives si un jour je ressens l'envie. Comment tu ferais si tu voulais parler avec une personne pour comprendre pourquoi elle ne veut plus que tu lui parles? Eh bien, 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 je dirais que j'avais possiblement tort sur ce que j'ai dit. Possiblement tort sur la façon dont je l'ai dit. Sur ce que je voulais dire, c'était pas forcément ça. Admettre que l'on a tort, ça peut donner à l'autre personne une vision étrange. Se dire, attends, comment ça elle admet qu'elle a tort? Ça veut dire que soit j'avais raison, soit ça veut dire qu'il va falloir que je cherche pourquoi elle avait tort aussi. Et c'est frustrant parce que ça va bloquer cette personne, ça va dire, ok, du coup, j'ai peut-être une raison de pourquoi elle pensait ça, et pourquoi elle pensait ça, pourquoi? Et ça va traîner dans sa tête. Envoyer le premier pas, des fois, il faut attendre. Faut attendre un long moment avant d'accepter de reparler à quelqu'un. C'est vrai. Il y a des choses qui ont été dites, des fois, qui sont affreuses. Je le reconnais. Mais si la personne fait le premier pas en disant j'ai eu tort à tel sujet, j'ai eu tort sur la façon dont je l'ai dit, j'ai eu tort, très souvent vous verrez ce message et vous serez en mode pourquoi il l'a reconnu enfin maintenant? Ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Et vous allez chercher après à voir pourquoi il y a eu cette évolution. Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis? Pour les autres personnes, vous n'êtes pas les autres personnes. Vous êtes vous-même. Prenez soin de vous et en même temps, essayez de, même si vous êtes unique en votre genre, même si vous avez votre propre niveau de réflexion, vous pouvez essayer de vous mettre à la place des gens. Pas complètement, vous n'aurez pas son bagage de toute façon, vous n'aurez pas son histoire, vous n'aurez pas son passif. Mais avec ce qu'elle dit au quotidien, avec la façon dont elle réagit au quotidien, il y a moyen de découvrir des fois, de se dire, en fait, elle a parlé plusieurs fois, elle a dit à peu près des choses dans le même ton. La façon dont je l'ai dit, je voulais dire exactement la même chose, mais je l'ai dit d'une autre façon, qui fait qu'on ne s'est pas compris. Voilà. Accepter qu'on a eu tort et le dire à la personne avec qui on s'est disputé, c'est étonnant, mais ça marche. Et puis, dire aux personnes auxquelles on tient qu'on les aime, c'est aussi quelque chose d'important. On ne montre pas souvent l'affection qu'on a envers les autres. Et pourtant, Dieu sait qu'on a besoin d'affection. Dieu sait qu'on a envie d'être aimé par au moins quelqu'un tout au long de sa vie. Dire aux autres qu'on tient à eux,
qu'elles ont une place importante dans notre cœur. C'est aussi accepter que il y a des personnes qui nous marqueront à vie. C'est aussi accepter que je ne serai pas aimé de tout le monde, mais les personnes que j'aimerais, je sais pourquoi je les ai aimées. Voilà. Avec tout ceci, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas plus de choses à dire. J'espère que vous avez apprécié ce live. On en refera peut-être d'autres à l'occasion. Surtout, je ferai en sorte que ce live soit disponible. Parce que avoir des traces écrites aussi de ce qui est dit, c'est peut-être pas mal. Je suis un tête en l'air des fois. Je ne retiens pas forcément tout ce que je dis, surtout quand j'improvise. Donc, les prochaines fois, je peux vous dire des choses de manière légèrement différente, qui pourront plus parler à d'autres que ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais le fait d'avoir toute une trace de tout ça, ça va vous permettre au moins, si jamais vous avez un doute, si jamais vous avez peur de faire ce premier pas, que vous le trouvez ultra compliqué. Dites-vous que si personne d'autre vous soutient, si vous trouvez que personne d'autre dans votre vie vous soutient, sachez que je vous soutiens. Je vous remercie d'exister, d'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter un petit peu de ce live, de prendre note, de juste écouter pendant que tu faisais autre chose. Merci. C'était un réel plaisir de discuter avec vous. C'était un réel plaisir de discuter de ça, de ce sujet qui me semblait si important et pourtant si peu mis en avant. Merci beaucoup. Sur ce, je vais vous dire. Que je tousse beaucoup encore. Je vais vous dire qu'on se retrouvera cet après-midi pour plus d'événements, un peu plus joyeux, un peu plus divertissant. On se retrouvera aussi pour faire les choix des dessins, on se retrouvera pour faire plein de choses. Et puis, je vous dis, passez un bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine. Bye.